Seconde vague de la pandémie de coronavirus oblige, la situation épidémiologique est soumise à une surveillance accrue avec l'augmentation des cas de contamination COVID-19. Ce mercredi encore, le point de la situation éloigne malheureusement le Gabon de l'objectif de passer sous la barre des 50 contaminations par jour. Montons en puissance en termes de dépistage. Dans les mois précédents, nous étions autour de 3 000 à 4 000, voire 5 000 dépistages. Nous sommes montés en puissance parce que le besoin y est. Le docteur Guy-Patrick Obiang a évité de justesse le ton alarmiste de la situation, notamment pour les hôpitaux, au bord de l'asphyxie en raison de la hausse des cas positifs à la COVID-19. 350 cas positifs sur 8 862 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3,9%. Le nombre de personnes hospitalisées est de 72 et 12 personnes sont actuellement en réanimation pour détresse respiratoire. De manière globale, le nombre de personnes guéries est de 285. À ce jour, Libreville et Port-Gentil demeurent les épicentres de cette seconde vague avec un nombre de contaminations croissant qui affecte désormais l'ensemble des secteurs d'activité essentiels. Le Haut-Ogooué, qui vient en troisième position, demeure sous la surveillance accrue des autorités sanitaires.